Non, acclame le Seigneur. Dis, Seigneur, moi je suis venu parce que j'ai écouté ta parole. Et la parole me demande de t'ovationner, de t'acclamer, de te célébrer, le Dieu de toute gloire. Oh, je bénis le frère, nous a dit d'élever Jésus. Il y a un nom que nous devons élever. Il y a un nom qui devait te célébrer. Il y a un nom qui devait exalter. C'est le nom puissant et béni de Jésus. Je te dis ce soir que Dieu veut que tu acclames Jésus. Dieu veut que tu élèves Jésus. Les temps sont durs, mais quand tu élèves le nom de Jésus, quand tu élèves l'autorité du nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a un nom glorieux. La Bible déclare que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Le puissant sauveur, c'est Jésus. Le puissant miracle, c'est Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons chanter un cantique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi je trouve. Alléluia. Oh.
l'esprit de victoire, l'esprit de vie, l'esprit de personne, l'esprit à la parole de Dieu. Saint-Esprit, inonde de nos cœurs, Saint-Esprit, c'est toi. Inonde nos cœurs de la présence de Jésus. Fais de mon être ta demeure. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit, inonde de nos cœurs, inonde de nos vies. Inonde nos cœurs de la présence de Jésus-Christ. Inonde nos pensées de la présence seule de Jésus. Si méchants sont vos pères terrestres, qui peuvent vous donner de bonnes choses? À combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit qui a promis? Tu as promis le Saint-Esprit. Tu as dit qu'il est avantageux que je m'en pour que le Consolateur, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la parole profonde, l'Esprit de la prière, l'Esprit d'obéissance, l'Esprit de la soumission à la parole profonde. Il descendra, il vous conduira. Oh, nous avons besoin de toi. Merci pour ce soir, Saint-Esprit. Merci pour l'Esprit de victoire. Merci pour l'Esprit de l'écoute de la parole de Dieu. Oh, béni soit Père. Nous te rendons gloire, honneur. Saint-Esprit que tu nous donnes. La Bible dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a les désirs contraires à l'Esprit. Oui, Seigneur. Oui, Père. Inonde-nous du Saint-Esprit. C'est un grand plaisir d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Est-ce que mon voisin est mon apôtre? La plus grande joie, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Na vu que toi mouké, mais na mouké ou en zamba linga ba tu vas amouké pour être na ba tu mouké en zamba c'est la biloko minen. Amen. Nous voulons dire merci à notre pasteur qui nous a fait confiance de nous aligner encore pour être parmi les orateurs de ce soir et que là où il se trouve, que Dieu le bénisse et l'inspire encore davantage. Nos remerciements vont surtout et particulièrement aux membres du comité local qui prient pour que l'Église continue toujours à progresser. Et je ne cessais toujours de dire que Dieu se souvient d'un membre de l'Église qui n'est pas connu par les hommes, mais dans ses genoux, il supplie le Seigneur pour que quelque chose de nouveau arrive à notre église. Tu es là ce soir. Si tu es toujours dans cette chambre couchée où personne ne te voit, ce matin, ce soir, je voulais te dire merci de la part du Seigneur. Car tes prières, Dieu entend tes prières. Alléluia. Nous allons écouter notre exhortation ce soir. Nous l'avons intitulée comme titre « Que Dieu ajoute encore ». Mais pour quelle fin ou pour quel but? C'est une interrogation que je me suis personnellement posée. Que Dieu ajoute encore, pour quelle fin ou bien pour quel but? C'est une question d'interrogation que nous allons trouver certainement la réponse à la exhortation de ce soir. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. J'aimerais que nous nous levions, que nous puissions lire ces trois versets que nous voulons confesser avec vous ce soir. Cet après-midi, Ésaïe chapitre 60, nous connaissons, plusieurs lecteurs de la Bible connaissent ce passage et nous voulons la proclamer dans le nom du Seigneur. Il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. » Et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Parle du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je voulais
Et ce soir, que nous puissions nous exhorter sur ce petit titre que nous avons intitulé « Que l'Éternel ajoute encore dans ta vie. » Mais pour quelle fin ou pour quel but que tu veux que Dieu ajoute encore? Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, c'est Dieu qui veut restaurer son peuple, qui a besoin que Dieu ajoute encore. Dieu a besoin de restaurer la vie de son peuple. La restauration tant spirituelle, la restauration, je dirais, tant matérielle, financière, familiale, que sais-je encore. Dieu veut te restaurer. Dieu veut amener quelque chose de nouveau encore dans ta vie. Mais c'est pour quelle fin que tu demandes à Dieu qu'il t'ajoute encore? C'est pour quel but que tu veux que Dieu ajoute encore? Oh, je me rappelle le frère Damien, David, notre diacre, quand il nous a parlé encore de tes jours, il a dit il y a deux types de bénédictions. Il y a des bénédictions que nous n'avons même pas prié que Dieu nous offre. Mais il y a des bénédictions qui s'attachent à ton attachement à Dieu. L'attachement, le degré de l'attachement que tu as avec Dieu attire certaines grâces, certaines faveurs. Il a parlé du salut. Qui a prié pour qu'il puisse être sauvé? Qui a pris? C'est Dieu lui-même, la grâce. Le pardon du péché, Dieu te l'accorde gratuitement. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne. Dieu, tu te réveilles le matin. C'est la grâce de Dieu, même les païens. Tout le monde peut bénéficier de tout ça. Mais il y a certaines choses entrées dans le cercle privé de Dieu. Demande ce qu'il a appelé le prix à payer. Un exercice à faire. Là, tu sors de l'ordinaire. Tu sors de la foule. Et tu deviens le serviteur de l'Éternel. Oh, je bénis quand Élie a prié ce jour-là, dit, rien ne pourra se faire sinon à ma parole. C'est la parole de quelqu'un qui a une relation privée avec Dieu. En fait, quand Élie disait, rien ne sera fait sinon à ma parole, ce n'était pas la parole d'Élie, mais c'était la parole de Dieu qu'il voulait confesser. Alléluia. Élie n'a aucun pouvoir pour arrêter la pluie. Élie n'a aucun pouvoir que sur sa parole. Mais il avait la foi à celui qui l'a donné mandat d'agir en son nom. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quand tu es dans le cercle privé de Dieu, tu entends les paroles de l'Éternel et tu es mandaté par Dieu pour dire, aller déclarer. Et cette parole de l'Éternel devient ta parole et quand tu l'exécutes, Dieu agrée. Jérémie chapitre 1, verset 2, 12, il dit ceci. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement? Séraphin, tu élèves ta voix, tu nous lis. Jérémie chapitre 1, verset 12. Ok, quelqu'un qui a trouvé rapidement? Alléluia. Dieu veille sur ta parole pour l'exécuter. Et c'est ce que Élie a dit là-bas, c'était la parole éternelle. Vous verrez, et à partir, c'est 1 Roi 17, vous verrez la partie là-bas. La Bible dit, Dieu dit à Élie, va dans tel endroit. Et la Bible dit, Élie fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. En fait, c'est un homme qui était habitué avec Dieu. C'est un homme qui connaissait les contours de Dieu. Quand il a déclaré qu'il n'y aura plus de pluie sur la terre, pourquoi? Il était habitué avec Dieu. Dans les conseils avec Dieu, il savait qu'Israël ne pouvait pas adorer notre Dieu. Tu n'adorerais pas un autre Dieu sinon que l'Éternel ton Dieu. Le roi Acab avec sa femme a amené d'adorer notre Dieu. Il fallait que quelqu'un s'élève de la part de l'Éternel pour manifester que Dieu a interdit qu'on adore notre Dieu. Et il a déclaré de la part de l'Éternel. Lisez la Bible, vous voulez, que toutes les fois qu'il était, Dieu leur donnait de faire ceci, de faire cela. Je vous l'ai dit ce soir, comme je l'ai dit dans les titres,
Dieu veut ajouter quelque chose, mais pour quel but? Analysons le verset 1. Dieu ordonne, il dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que la terre est remplie de ténèbres et les hommes qui peuplent la terre sont dans l'obscurité. Tu ne pourras pas avoir quelque chose de profit, même si Dieu t'ajoute, si tu vis dans l'obscurité, dans les ténèbres. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans une vie incertaine sur le plan spirituel, même si Dieu t'ajoute quelque chose, ça ne t'amène, ça ne donne pas une grande grâce, une gloire. Alléluia. Dieu veut ajouter si tu marches et tu vis dans une vie éclairée par la lumière de Dieu. La Bible dit, Christ est notre lumière. Même si Dieu t'ajoute quelque chose, mais si tu vis dans les ténèbres, ça ne sera pas profitable. Et Dieu nous exhorte, et moi et toi ce soir, que tu te lèves. Tu te lèves sur le plan de la vie spirituelle. Tu dois t'élever pour que quand maintenant tu demandes à Dieu, tu demandes les choses qui sont éclairées sur le plan de Dieu. Et la Bible dit, comme nous l'avons dit là-bas, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dieu veut élever sa gloire dans ta vie, dans ma vie. Mais il faut que Nala t'élève. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, tu dois t'élever dans ta vie de prière. Il y a des choses que les ténèbres ont bloquées. Il y a des choses que les gens, tes voisins, les quartiers, les gens de l'environnement, ils vivent dans l'obscurité. Ils bloquent tout ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu ne t'es pas encore levé. Tu es avec eux dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et la Bible dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Mais avant que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi pour que Dieu agisse encore, tu dois t'élever et tu dois être éclairé. Tu ne peux être un homme ou une femme éclairée si tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ça c'est pour Dieu, ça ce n'est pas pour Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te différencier de tous les gens qui s'appellent chrétiens. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut ajouter encore dans ta vie. Mais il y a deux exigences au verset 1. Tu dois t'élever. N'a pas de degré à vie à prière, Nayo. N'a pas de degré à vie à prière, Nanga. Mais ça, Malinga, la téléma. Quand tu es Malinga, le banin, na as la position, yako lala, na comme la société, yako téléma. Ce qui n'a pas de vendre à boire, na au moins la bisika moussoukounate. Mais ceux qui n'ont télémi, je peux voir là-bas. Quand tu t'élèves à la montagne de l'Éternel, tu peux voir les choses qui sont même dans l'obscurité. Tu peux voir le peuple qui sont dans les ténèbres. Et là, Dieu peut te dire, comme il a dit à notre frère Alice, que vois-tu? Nous avons lu. Et Dieu dit, tu as bien vu. Frère, quand tu demandes quelque chose à Dieu, et si tu n'as pas bien vu, Dieu ne sera pas derrière sa parole pour l'accomplir. Non, je ne suis pas bien compris. Si tu n'as pas bien vu et que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne l'accomplira pas parce que cela ne vient pas de sa volonté. Mais quand tu vois comme Dieu le voit, tu demandes. Là, cette parole que nous venons de lire de Jérémie s'accomplit. Il dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole. C'est pourquoi quand nous demandons que Dieu ajoute, nous devons demander selon la parole, selon la conformité de la parole de Dieu. Et cela dans la volonté divine. Et Dieu sera derrière sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un me comprend bien?
En fait, je voulais dire, quand nous demandons que Dieu ajoute, je suis un homme, une femme, n'a télémi dans ma bonne délire, n'a télémi l'éclairage, je dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Cette parole qui est en toi, tu es éclairé par la parole. Le verset 2 montre que là où nous vivons, il y a l'obscurité des ténèbres. Mais celui qui est éclairé voit dans les ténèbres. Qu'est-ce que je dois demander pour que quand je demande, c'est la gloire de Dieu qui doit s'élever dans ma vie. Ce n'est pas ma gloire. Mais nous avons dit que c'est la gloire de la gloire. C'est la gloire de la. Et vous verrez beaucoup d'hommes et de femmes demandent de grandes choses, mais sous quoi nous pour la gloire. Non, demande quelque chose à Dieu pour sa gloire, mais pour ton bien. Mais la gloire doit revenir à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je disais deux exigences. Première exigence, Dieu doit t'élever. Étudie ta vie, ta manière de prier. Combien tu prends du temps? Si Jésus qui est fils de Dieu, lui, fils de Dieu, à la Bonzambé, au Jean-Baptiste, tant qu'à baptiser, Dieu rend un témoignage. Celui-ci, mon fils bien-aimé, avait besoin de la prière. Bon, Ganaï. En fait, dans la prière, il faut changer selon le corps de la prière. La prière, la seule force que le chrétien a pour changer la situation dans son environnement, c'est la prière. La prière est la seule puissance que Dieu entend pour que les choses des ténèbres soient éclaboussées. En fait, certaines choses dans nos vies ne peuvent changer que quand moi je prends conscience du Cambodge. Il y a des choses que tu vis en privé, personne ne connaît. C'est toi seul et Dieu. Mais Dieu veut voir. Il te pose la question, Valentin, qu'est-ce que tu as vu? Moi, je suis dans l'obscurité. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Dieu me pose la question, tu vois quoi? Je ne vois rien. Parce que je suis dans l'obscurité du péché. Je suis dans l'obscurité du monde, de la corruption. Quand Dieu me dit, qu'est-ce que tu as vu? Je ne verrai rien. Parce que l'obscurité m'environne. Mais quand tu es éclairé par la parole que tu médites chaque jour, tu verras comme Dieu. Et il te dira, je suis derrière ma parole. Tu as bien vu. Je prie ce soir que quelqu'un dans la lecture de la parole de Dieu voit des choses que Dieu veut qu'il voie. Et quand il va commencer à déclarer ce que tu as dit, tu as bien vu, je suis derrière. En fait, je voulais dire que quand tu t'élèves dans ta prière, tu ne pries pas avec tes mots. Tu dis à Dieu, voici ce que ta parole dit dans telle circonstance. Tout ça. Et tu élèves la voix avec Dieu. Dieu entend que tu as compris et tu as bien vu comme lui dans la circonstance. Il demande à sa parole, va, exécute ce que j'ai rendu. Nous prions parfois mal. Nous demandons pour faire nos biens. Frère, je vais donner deux exemples et nous allons peut-être clôturer. Notre grand texte, nous parlons d'une femme qui a demandé que Dieu ajoute encore. Elle s'appelle Rachel. N'est-ce pas? C'est quel chapitre? C'est quel chapitre? Combien? Verset combien? Pardon? Et Rachel a dit quoi? Que Dieu ajoute encore un fils. J'étais en train de méditer quand je préparais tout ça. Je me suis dit, il y a des choses parfois. Il faut tout s'engager et le koyanzambe. La Bible dit. Dieu se souvient de Rachel. Dieu, il se souvient de Rachel. Et quand vous verrez un peu avant ça, il dit, j'ai divinement affronté ma sœur. J'ai divinement combattu contre ma sœur. Divinement. Donc il a utilisé dans la prière, dans la voix divine. Et la Bible dit à la fin, Dieu a exaucé. Dieu l'exauça. Dieu se souvient de Rachel. Et il donna qui? Joseph. Remarquez, quand c'est Dieu qui se souvient, et qui te donne le fruit de la bénédiction de Dieu qu'il a donné à Rachel, c'était Joseph. Et Joseph, c'est un homme qui a marché pour la gloire du Seigneur. Oui ou non?
Regardez la vie de Joseph. Regardez la gloire que Dieu a étalée dans la vie de cet homme. Même quand il était dans les ténèbres, dans la maison de Potiphar, c'est un homme réveillé, c'est un homme qui s'est levé, c'est un homme qui a compris qu'il est éclairé. Non. Il faut être éclairé par la parole de Dieu. Parce que tu sais, je n'obéis pas à un homme, je bénis à Dieu. Dieu est capable, même si mon témoignage est mauvais auprès des hommes, mais celui qui est le vrai Dieu, le juste, c'est Dieu. Parce que tu obéis à sa parole. C'est cet homme qui n'a fait que pour la gloire. Mais quand maintenant c'est Rachel qui demande d'ajouter encore, je dis, mais j'essaie un peu de lire beaucoup de Bible, j'ai consulté la vie de Benjamin, je n'ai pas trouvé quelque chose de très grand. Et à la fin, quand il a Benjamin, il meurt. Je prie que quand tu demandes que Dieu t'ajoute, que tu ne meurs pas. Non, je ne peux pas dire à Dieu que Dieu m'ajoute encore et je meurs. Je me suis en train de poser la question, est-ce que tu es dans la volonté divine? Je ne sais pas. Je suis encore en train de prier que le Saint-Esprit m'éclaire. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qui t'ajoutent, il ne faut pas que tu meurs. Il faut que quand tu demandes à Dieu, tu juges de ça, tu bénis le Seigneur et Dieu se glorifie. Alléluia. Dieu veut ajouter encore pour quelle fin? La fin que c'est Dieu doit te glorifier. Ce n'est pas moi. Il y a bien. Si on voit bien et pengusiga. Moutouangwa bien pendu sur le boulevard. Ah, tonton, patron, et tout ce que vous avez patron. Moupao, moupao. Moi, on est comme moi, yé, yé, comme yé, yé, moupao, na kumbo bimisa, tout ça. Et pendu singa. J'ai dit non. Je ne vais pas demander quelque chose à Dieu pour te pendu singa. Dieu doit m'ajouter quelque chose pour la finalité, c'est la gloire de l'Éternel. Alléluia. On dit plus que Dieu t'ajoute encore. Après, si on peut être d'accord. Mais comme sur folie. Je prie le Seigneur que tu te lèves dans la prière. Je prie le Seigneur que tu sois éclairé par la méditation de la parole de Dieu. J'insiste, rien ne sera créé, ajouté, si ce n'est qui est conforme à la parole de Dieu. Ce que ça dit, Bananango, au couvre. La nuit, j'étais en train de confesser ce que j'ai demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je veux que le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira et vous montrera des choses à faire. Je prie que le Saint-Esprit te conduise. Et que dans ta prière, en fait, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Et quand même Dieu accomplira les désirs de ton cœur qui sont conformes à la parole de Dieu, Dieu dit, je suis derrière ma parole et je vais l'accomplir. Un deuxième exemple, j'étais en train d'analyser la vie d'Ézéchias. Ce roi puissant, béni, qui a travaillé pour Dieu. Mais Dieu dit qu'il doit mourir. Il dit, non Dieu, ajoute-moi encore. Ne fais pas ça. Dieu a écouté même sa prière. Mais quand vous analysez la vie d'Ézéchias, après les 15 ans que Dieu lui a ajouté, c'était catastrophique dans la vie même d'Israël, parce que les ornements sacrés du temple ont été vendus, partis à Babylone. Frères, sœurs, quand nous disons Dieu ajoute encore, soit dans la sanctification, soyons dans l'intégrité avec Dieu. Et Dieu va t'ajouter. Et quand Dieu va t'ajouter, lui sera glorifié. Mais toi, tu seras béni. Ma prière, nous voulons prier, le temps est avancé. Ma prière, que moi et toi, nous nous levons dans la prière.
Oh, je bénis quand le frère a parlé. Il a dit, c'est le temps où les petites équipes doivent se former. Deux, trois mamans se mettent dans sous les arbres. Ils sont en train de prier. Zaba Kangola Bango. Zaba Lakisa. Et là qu'on y a la vie na Bango. Et là qu'on y a la vie à pasteur na Bango. Et là qu'on y a la vie à ancien na Bango. Et là qu'on y a la jeune na église. Oh yo. Que Dieu éclaire. Il a dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Je suis derrière ma parole. Je prie que le Seigneur me fasse voir des choses comme lui pense. Et quand je vais demander à Dieu conformément à sa volonté, je ne mourrai pas. Je dirai, Seigneur merveilleux, tu m'as fait du bien, tu m'as fait grâce. Que la gloire. Combien de pasteurs, combien de grands pasteurs de la ville qui ont cherché la face de Dieu, ils criaient Dieu, ils ont marché dans la ligne droite avec Dieu. Mais quand les moyens matériels et financiers sont tombés dans leur ministère, quand l'église a pris de l'ampleur, on ne parle plus de Jésus. Oh frère, que Dieu te bénisse. Quand tu parlais qu'on élève Jésus, même les cantiques qu'on a chantés tout à l'heure, on doit encore chanter ça peut-être à la fin. Que Jésus soit élevé. Vous verrez des campagnes, de Milo est belé, ma calendrier est belé. C'est l'homme qui est grossi. Jésus est en miniature. Non, quelle finalité. C'est Jésus qui est plus grand, ou c'est moi qui est plus grand. Ça n'a pas de sens. Nous voulons prier. J'aimerais que tu nous prennes une position, nous n'avons que 10 minutes pour prier. La prière de ce soir, c'est une interrogation. Quand tu veux que Dieu ajoute encore, pour quelle finalité? C'est pour ta gloire ou pour la gloire de Dieu? Non. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel. Ce n'est pas la gloire de Valentin. Non, c'est la gloire de l'Éternel qui s'élève sur moi. Ce n'est pas ma gloire. Mais la gloire de Dieu s'élève. En fait, je suis un instrument pour que la gloire de Dieu apparaisse. Et que les hommes disent, papa Valentin, c'est un cataboy. Qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu. Ils vont venir chercher. C'est la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est entré dans ma vie. Voici ce qu'il a commencé à faire. Ce qui était hier impossible devient possible. Et le verset dit, les nations marchent à ta lumière. Quelqu'un dont la gloire de Dieu apparaît dans sa vie. Il dit, des nations. Les gens, alors, comme le verset de Dieu dit, les gens qui étaient dans les ténèbres commencent à marcher à la lumière. Au sein de la lumière, c'est Christ qui est en toi. Il dit, les rois et des rois à la clarté de tes rayons. Il y a des rayons de sainteté. Il y a des rayons d'honnêteté. Il y a des rayons du pardon. Il y a des rayons d'humilité. Il y a des rayons de la grâce divine de toi. Les gens vont commencer à marcher pour ça. Et ils vont bénir le nom de Jésus. Et le cantique qu'on a chanté dit que tous les autres noms doivent se taire. Seul le nom de Jésus doit t'élever. Je veux que tu te lèves, nous voulons prier. Je ne sais pas. La première chose que je voulais que nous prions ce soir, que le Saint-Esprit aide que tu t'élèves. Pour ponger aux anango, ponger aux anango, peut-être n'a pas compris. Mais une action divine du Saint-Esprit pour venir te dire, comme il a dit, fils de l'homme, lève-toi. Dis, Seigneur, sur tel domaine, je sais que tu fais déjà bien. Mais par rapport à la grâce que Dieu a mis en toi, au terrain coquille pas comme l'aïo, tu dois t'élever. Tu dois quitter un point A pour un point B. C'est la première chose. Et la deuxième chose, nous allons dire à Dieu, éclaire-moi. J'ai besoin de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'éclairage sans la parole de Dieu. Puis je veux un homme et une femme qui lit la Bible. Même s'il faut lire 10 fois la Bible par jour, tu peux lire. Parce que tu es en train de te priver de certains droits pour être éclairé. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, la position que j'occupe, certaines choses ne marchent pas. Mais parce que je ne me suis pas encore levé, tu vas dire à Zam, il y a tel et bas. Mais dans ma case, il y a un tel et bas. Il y a un tel misayo. Il y a un tel et bas. Il y a un. Au fait, le Saint-Esprit a reçu le mandat de Jésus pour te convaincre de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Du Saint-Esprit, il y a des choses que tu vas me montrer, que je me réveille par ces choses, pour que je sois debout avec toi. Et quand je me lève à la montagne, je peux voir l'obscurité qui est dans ma vie. Lève ta voix et dis, Seigneur,
Zambela pourquoi la lettre sont pointée là. Et ma position nous et va disabiso alors que yon ligne dans la téléma. Yon ligne que l'indoba yon est téléma le de la Gozana. Yahweh Nadola, ton belle la bouillie à mon libre sang. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Et la Bible déclare que rien, alors rien ne peut se faire sans elle. Saint-Esprit, Oh, réveille-nous, Seigneur. La Bible déclare, fils de l'homme, parle ses ossements, dis quoi en le bas. Et la Bible dit que quand Ézéchiel a commencé à parler, il y a eu un mouvement. Je prie qu'un mouvement me fasse élever. Je prie qu'un mouvement est tel misanda. Mouvement pour tel misanda. Pourquoi nous avons l'église à Bisso? A tel et ma pote, le pic, la libote naïe. Et la simanaïe. La commune à Jésus. On a dit que Béta m'a béco, il y a un sable au niveau de Téléma. Il y a un sable à l'égard de la position dans un amour. Il y a un sable qui est position haut. Et il y a un sable pour qui? La coquille qu'on Téléma a fait. La coquille qu'on m'a fait. La caraba. Le beaucoup là, il y a Santa Caraba. Il va tellement, 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 il va tellement